Coucou à tous, on se retrouve pour un album de Noël. Donc là, je vais prendre un bloc de Chaction et je vais prendre les papiers craft comme ceci, du bloc Action, et je ne sais pas dans quoi je vais me lancer. Je fais au feeling, j'ai aucune mesure. On y va, c'est parti. Donc là, j'en prends plusieurs. Je verrai bien si j'ai besoin de tout. Donc là, on va vraiment faire un mini album pour dire de mettre des petites photos. J'ai bien dit des petites photos pour mettre des photos 10-15. Ça serait bien. Donc là, je vais prendre, vu que j'ai dit que je voulais mettre des photos 10-15, je vais prendre 17 en longueur. Voilà. Et mes photos font 10-15, donc il me faut 10, 11, 11, 21, 22, 22, plus la tranche 23. Je vais faire sur 1 cm, c'est bien. Voilà. Donc, je vais faire un pli à 11 cm. D'accord? Faire un pli à 11 cm et à 12 cm. Voilà. Comme ceci. Là, au moins, je vais pouvoir avoir une photo de 10 ici sur 15 qui va passer dans les 17. Donc au moins comme ça, voyez, avec le pli des 1 cm. Donc on y va, c'est parti. Je marque mes plis. Donc il va se tenir en format paysage. Comme ceci, d'accord, comme ça, voilà. Ici à l'intérieur, du coup on va faire des pages. Je vais partir sur ma base de 17, d'accord, 17. Je vais faire un pli à 11, ensuite je vais réduire, je vais pas faire à 12 mon pli, mais je vais le faire à 12,8, d'accord, 12,8, comme ça, ça me fait une beaucoup plus petite tranche, et je vais couper du coup de l'autre côté. Je vais compter ici 11 cm, d'accord, pour que après le pli ici. Donc je suis bête, j'aurais dû le faire ici. Hop, 11 cm à partir du pli. Je coupe. Ce qui nous fait une longueur de 22,8. Donc je mets de côté. J'en reprends une troisième. Je fais toujours sur 17. Je fais un pli à 11 cm et là à 11,5. Comme ça, ça nous fait un pli à 0,5. D'accord? Et après, forcément, je me replace à 11, ce qui nous fait qui nous fait à 22,5, d'accord, voilà, et là j'ai 11 cm, c'est bien. Donc là j'ai ma structure qui est faite de mon petit album. Je vais marquer mes plis, voilà. Donc vraiment un album rapide, fait sans mesure.
Je l'ai fait avec vous. Ça va être un album en U. Je vais bien marquer le pli. Donc forcément, à Noël, vous ne prenez pas non plus 50 photos. Donc, bah, c'est bien de faire avec ce qu'on a. Je vais venir me positionner dans mon album. Et je vais venir me centrer. Voilà. Et je vais venir coller. Coller ici. Au milieu. Et après, je ferai pareil avec l'autre. Ici au milieu, ce qui va nous former l'album, d'accord. Donc on y va, je mets sur la tranche ici de la colle. Je vais peut-être prendre plutôt mon autre colle qui colle rapidement. Donc, hop, pas besoin d'en mettre une tonne, et je viens me positionner. Me centrer. Je regarde en même temps si je suis bien de l'autre côté avant que ça colle. Ouais, c'est bon. Et je fais pareil avec ce morceau là, ce qui va nous permettre de mettre des petites photos. Je remets droite, je regarde si ma tranche, elle est bien sur ma tranche. Ouais. Et oui. Donc maintenant, on attend que ça colle. Pour pouvoir dire de le refermer. Je ne vais pas faire de bêtises. Je vais prendre mes papiers de fond. Et du coup, je vais couper des morceaux. Parce que là, ici, ça fait 11. 11 sur 17, on est d'accord. Donc, je vais couper 10,5. Sur 16,5. Donc là, faut que je le déplie. 16,5. Voilà. Sur 10,5. Donc après, vous prenez les papiers de fond que vous voulez. Sur 10,5. Que ça a collé. Oui. Oui. Et oui. Donc c'est parfait. Vous voyez ma tranche en U. Avec. Donc vous l'ouvrez, vous dépliez. Hop. Hop. Donc vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est bien. Voilà. Hop. Donc, ici, je vais coller mes papiers. Après, vous pouvez faire des rabats. Rien ne vous empêche de faire des rabats puisque vous avez quand même de l'épaisseur. C'est-à-dire qu'au centre, vous pouvez faire des petits rabats.
c'est-à-dire là, sur le centre. Vous pouvez faire un rabat de ce côté-là, par exemple, et ici en bas, de ce côté-là. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Alors, sur 17, je vais toujours partir sur ma base de 17. Alors, 17, mais là, du coup, je vais faire sur 18, parce que je vais faire un petit rabat de 1 cm. D'accord? Donc là, je pars sur 18. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Comme ça. Et je vais couper à 11. Ce qui nous fait 18 sur 11 avec un rabat de 1 cm. Comme ça. Et je fais pareil du coup sur l'autre morceau qui me reste à 11. Et ça me servira d'un deuxième rabat. Pour mettre. Comme ça. Ici. J'aurais peut-être dû le couper plus court. Je suis bête, moi, parce que. Attendez. Sur 11, eh ben, je vais le faire sur 10,5. Comme quoi, vous voyez, on rectifie. Sur 10,5. Parce que sinon, quand je vais replier mon rabat, il va buter dessus. D'accord? Je vais le mettre, voilà. Vraiment à ras, ici, pour pas qu'il dépasse ici, parce que c'est vrai que quand on plie, eh ben du coup, ça coince. Donc voilà, 10,5, d'accord? 10,5, et on fait pareil, du coup, sur l'autre rabat. C'est pas 11, c'est 10,5. On va y arriver. Hop. Là, je vais vraiment vous montrer la structure, et après, vous faites les collages comme vous avez envie. Voilà. Donc, là, je peux coller mes rabats centrales. Je vais mettre comme ici. Je colle mon rabat. Donc là, je me mets bien face à face, ici, au bord, bien droite. Et ici. Là, je le mets de l'autre côté, dans l'autre sens. Ce qui va nous donner comme ça. Voilà. Ça déborde un petit peu avec la colle. Ça tombe bien. Ça se nettoie tout de suite avec cette colle-là. C'est ce qui est bien. Et là, ici, pareil. Voilà. Comme ça, on a deux petits rabats centrales. Et là, au moins, quand je plie, eh ben, ça ne bute pas. Et là, mon album est bien rempli. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir mettre une photo ici. Une photo ici, donc vous pouvez en mettre 14 en tout dans votre album, d'accord? Donc, hop, on a refermé. Vous allez faire la déco de devant, et ce qui serait bien, c'est que on puisse le fermer avec un petit rabat. Donc là, j'ai une chute de papier qui fait même pas 3 cm, elle fait 4 cm la bande. Donc, ça serait bien que je fasse un truc comme ça. Je fais sur 1,5, 4 sur 1,5 et 4. Donc ça nous fait 9,5. Donc 4 sur 9,5. Voilà. Je fais un pli à
4 cm à 5,5. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ça va être la fermeture de l'album. Et je vais l'aimanter. Donc j'ai mes petits aimants qui sont là. Des tout petits comme ça. Je pense que je vais faire ça. Je prends mon double face. Donc j'avais du double face de chez Stephen Strap en plus. Mon petit truc pour les angles. Donc là, je vais faire un angle comme ceci. Donc hop, je mets bien mon papier comme ça. Et comme ça. Peut-être un petit peu plus grand, Mélanie. S'il veut bien. Ouais, plus grand. Voilà, comme ça. Ça sera mieux. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté pour que ça soit, on va dire, une petite finition quand même. Je vais faire 3 sur 3. Ici, pour la déco. Je fais des petits tests. Je fais pareil. Ça fait peut-être petit. Voilà, comme ça. Pour faire la déco de là et la déco. Non, si je fais le petit, ça va pas. Le grand. Et le grand. Voilà. Comme ça. Voilà. J'ai décoré. Ici, 3 sur 3. Et je vais faire sur 1. Hop. Ici, au milieu. Voilà. Donc là, je vais coller mes petits papiers sur le fermoir que je viendrai coller après puisque je vais d'abord faire mon décor ici devant et le décor arrière. Donc là, je décore juste ici pour le fermoir. Et j'ai pas mis mes aimants. Je vais peut-être mettre un plus gros ici. J'en ai des plus gros. Attendez. J'en ai des plus gros. Je vais peut-être faire ça. Je le laisse derrière. Voilà, comme ça, je sais où il est. Je le recolle sur mon truc. Hop. Dans le bon sens, Mélanie, tant qu'à faire. Et voilà. Voilà, je vais le laisser sécher sur le côté. Tout ça. Hop. Et j'en ai plus besoin. Et là, du coup, je vais mettre ma déco sur le devant. Je pense que ça va être toujours le même album avec les gnomes. J'avais vu un papier avec des petits gnomes. Voilà, celui-ci. Voilà.
de déco. Comme ça, je vais faire la couverture avec vous. Et après, vous ferez les collages de l'intérieur forcément tout seul. Donc là, 10,5. C'est en format paysage. Donc non, 16,5. 16,5, puisque mon papier de fond, il fait 17. 16,5. 10,5, 16,5 sur 10,5, la tranche, je peux la faire de la même couleur, de cette couleur là, donc, la tranche elle fait 1,5, donc je vais faire 1 cm. Donc ici, j'ai mon papier de décor. Je vais venir mettre la colle. Là, forcément il est tout plat parce qu'il n'y a pas de photo à l'intérieur, hein. Je fais pareil de l'autre côté. Mais avant de coller ça, j'ai mon petit rabat ici à mettre, on est d'accord. Donc l'aimant, il est là. Je vais venir mettre de la colle ici, à l'intérieur. Je me centre entre ici et ici. Bon, là, je le fais à l'œil. Mais sinon, vous prenez une règle et vous mesurez. Alors, je pense que je suis bien droite. Je mets sur mon plan de travail. On est à 17. J'ai 5 et 5,5, 6, et là j'ai 6 aussi, je le décale un petit peu, voilà, là je suis bien, pas trop au bord pour que je puisse plier, d'accord, je le remonte juste légèrement, voilà, et là ici, en fait, je vais mettre mon aimant ici. Vous voyez, ici le coller là. Donc, hop, je vais faire comme si j'avais de la grosseur dans mon album. Et je vais le coller. Oh, je colle ma manche dessus. Je vais prendre mon double face. Là, je ne vous montre pas la déco. Hein. Je vous montre vraiment que la structure. Et après, ça sera à vous de décorer comme vous voulez. Je vous ferai sur mon petite vidéo comment j'ai fini par le décorer. Hop, parce que Louise commence à se réveiller. Alors, oui, je fais des bêtises parce que je mets le double face. Un cheveu, ça va pas le faire. Mélanie, elle fait des bêtises. Je l'ai collé du pas bon côté.
On va y arriver. Voilà. Et je me mets là. Voilà. Ici. Hop. On va y arriver. Hein. Et j'ai mon petit pic qui est là. Il y a Louise qui est réveillée, qui fait des bulles. Mais au moins, elle m'aura laissé faire la structure déjà avec vous. Donc, déjà, vous avez vu le principal, c'est-à-dire la structure, la décoration, forcément. Bah, après, vous faites votre fond de page à 16,5 sur 10,5. Et puis, votre album est terminé. Donc, hop, je mets mon fond bien droite quand même. Voilà. Voilà. Le clément qui est là. Et au moins, quand vous le refermerez, c'est aimanté. Vous voyez? Forcément, il y a une déco qui va venir. Ici, je vais mettre mon petit bout là. Pour l'instant, c'est pas tout à fait comme il faut, puisque là, il faut l'épaisseur de photo et l'épaisseur de papier. Et après, on pourra le fermer correctement. Donc là, du coup, je mets... J'arrive, Louise. Hop, mon papier pour ici. Et voilà. Pour ma tranche. Donc, je vais laisser sécher, forcément. Et après, eh ben, je vais pouvoir décorer ici, ici, ici. Là, je voulais vraiment vous montrer comment le fermer. Après, vous pouvez le mettre en format portrait. Hein. C'est comme vous souhaitez. Là, je l'ai fait en format paysage. Parce que moi, je sais que je vais prendre des photos en format paysage pour avoir vraiment tout le monde sur les photos. Et après, ben, vous pourrez mettre vos petites photos correctement. Là, avec le petit rabat ici. Là, le petit rabat là. Voilà. Et ainsi de suite. Pour mettre 14 photos. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez faire encore des rabats. Mais à voir si votre fermeture va bien se faire ou pas. Voilà. Donc, eh ben, il est comme ça. Il est plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien. C'est le principal. Et puis là, je vais me faire une petite décoration. Forcément, avec des petites choses de Noël. Et je vais utiliser pour le papier, le fond de décor. Forcément, je vais utiliser ces feuilles-là. Du même bloc que celui-ci. Hein, voilà. De chez Action. Donc, voilà, voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. 30 minutes, c'est bien. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit moment passé avec moi, d'avoir réalisé un petit album pour vos fêtes de Noël, pour mettre les petites photos des petits-enfants, etc. vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!